Salut tout le monde, c'est Polo et bienvenue sur Brain Out à la scène, moment quotidien de notre aventure dans ce jeu magnifique. La dernière fois, c'est laissé au niveau 206. Ah ben ouais, c'est juste devant nous, voyons donc, ma bad là. Mais bon, on a terminé le niveau 205, on est rendu au 206. On va tenter de terminer le jeu aujourd'hui. Je sais même pas il y a combien de niveaux là, j'ai pas regardé là, je veux pas me spoiler la surprise. Mais aujourd'hui, je m'en fous, je termine tout. Alors, on va commencer notre journée avec ce problème. Tirer un panier. Yo, c'est facile. Hein? Hein? Quoi? Je... Attends. Je peux même pas bouger la baballe. Yo, c'est fait en pierre ou quoi? Yo, come on! Peut-être que je peux bouger le panier? Non? Ok. Peut-être que je joue le slingshot. Hein? Ouais, vous savez comment faire... Tchout, comme ça, là? Non? C'est pas... Oh! Mais ça bouge! Hein? Je crois que... Oh! Ma doute! C'est parce que j'avais bougé l'iPad! Pas de l'aider à mon ami. Niveau 207. Ouais, j'ai déjà fait. Oh, ne touchez pas le 1000. Ah, ok, mais il faut juste... Oh, je prends mon doigt et je bloque la flèche. Yo, ça là, c'était beaucoup trop évident. Parce que vous savez, l'iPad, on joue avec nos doigts. Donc, mon doigt, c'est... Ah, ok. Niveau 208. Placez le pied sur le pôle. Quoi? Placez le pied sur le pôle. Le pôle. L'épaule? C'est ça, l'épaule pas... Le pôle, je... Non, on parle pas québécois ici, voyons donc. Bon, en tout cas, Oh! Ah! Ah ben... Yo, t'es ben flexible, mon gars, voyons donc! Attends... Oh là 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 là! Je suis énorme là! Voyons donc... Zigoune shot! Si, c'est quelqu'un devant moi là! Pra! 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 Ok, je suis en train de faire des conneries, c'est pas croyable. Bon ben, revenons à nos pépitos! Donc, placer le pied sur l'épaule, pour vrai, là, est-ce que tu peux bouger ton épaule, frère? Non? Attends. Je me demande si je fais ça. Non, attends. Yo. Yo, ma dude. Hein? C'est quoi? Magasin? Rembourser l'achat? J'ai jamais regardé ça. On peut acheter des... What? No way! Oh, oh, oh! Et... Pourquoi on m'a pas donné un doute qui travaille au Cirque du Soleil, qui est super flexible? Il aurait pu faire ça, voyons donc, mais bon. J'essaie de bouger l'écran, ça marche pas. Rétrécir, grossir, non, ça marche pas. Yo, pépito! Ok, on va jouer ici. Placer le pied sur l'épaule, donc... Ouais! Yo, attendez! Regardez! Oh! 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 No way! Ben non! Depuis que j'ai fait ça, j'ai su qu'il y avait un problème. Ben qu'il fallait que je joue avec le titre, voyons donc. Numéro 209, améliorer la vue. Ok, j'ai une idée. J'enlève mes lunettes et tout s'arrange. Ok, non, pour vrai, je deviens de plus en plus avec. C'est pas croyable, mais ne restez pas devant l'écran trop longtemps, sinon vous allez le regretter. Donc, améliorer la vue. Yo. Ok, grossir, rétrécir, marche pas. Alors, grossir... Hein? J'ai juste essayé de grossir le bonhomme ou de le rétrécir, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il faut nettoyer les lunettes! Niveau 210, oui, non, ne parlez pas. Mais comment je ne peux pas parler? C'est impossible! Ok, non, je suis en train de dire des conneries, mais bon, attendez. Non? Non? Ok, est-ce que je peux bouger l'écran, non? Grossir, rétrécir. Ah, j'enlève le micro et c'est... Ne me dites pas qu'il faut que je désactive le micro du iPad! Yo, imaginez que c'est ça! Yo, bread! Come on, j'ai pas envie de faire ça, mon frère! Peut-être qu'il faut vraiment faire ça. Je me rappelle que dans le passé, j'étais confronté à une situation assez similaire. Le truc, c'est que, d'habitude, mon iPad qui est là est connecté à l'ordinateur pour que je puisse capturer l'écran en HD, là, en bonne qualité et tout. Mais là, je l'ai enlevé et maintenant, on va jouer comme ça. C'est une question similaire. Je sais que la réponse se retrouve avec le volume ici parce qu'il y avait une question comme ça que j'ai résolue dans le passé. Donc, ne parlez pas alors. Restez silencieux. C'est écrit « Restez silencieux » ici. Je le savais. Je le savais. Niveau 211, débloquer le clavier. Ah, oh, le truc avait débloqué là. Mais bon, ok. Je vois que l'image est super grosse. Alors, si je rétrécis le tout. Non, c'est pas... Ah, ici, il y a de quoi qui écrit. Attendez. Hein? Attendez. Peut-être que si j'utilise mon doigt comme si c'était une efface. Évidemment, brothers. Donc,
frère. Oh, moi qui... Attends, peut-être qu'il faut effacer encore le tout. No way, ok. Bonjour, Pépito. Peux me dire la réponse, s'il te plaît? Pépito, please. Non, mais à moins que c'est 5, 8, 6, 7. Comme les chiffres ok. Oh, peut-être que si je... Non, ça n'a pas rapport, hein? Yo! Attends. Débloquer le clavier. Peut-être qu'il y a un jeu de mots dans la question, vous ne croyez pas? Si je touche les mots de la question, il n'y a rien qui marche. Non, mais voyons donc, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être ici, entrer le mot de... Ah. Récemment, toutes les questions se ressemblent. Fallait y penser. Niveau 212, comment distribuer 3 pommes à 6 personnes équitablement? Ok, évidemment, je prends mon doigt et je coupe la pomme en deux. Pra! 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 Non? Ok, attends. Pra! Bah ouais, si je touche la pomme, je vais bouger ça. Alors, il faut que je fasse ça un peu plus haut, comme que je touche ici et ensuite que... Non, ça marche pas. Le truc, c'est que j'essaie de faire ça comme ça, regardez. Hiya! 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 Non, ça marche pas du tout, les potos, alors... Oh, j'ai la réponse. Il faut faire des fusions à la Dragon Ball. Donc, fusion. Ha. Non, pas de... Alright. J'ai la solution, évidemment. Je prends une pomme, je donne à ce Pépito, il mange la moitié, et ensuite, il donne ça à lui. Voyez ce que je veux dire? Comme, regardez, voilà. Peut-être que je suis le Hulk. Je prends mes deux doigts et je fais ça comme ça, et ça va séparer la pomme en deux. Attendez, regardez ça. I feel it. Oh, je la sens bien. Non, je la sens mal. En fait, je la sens mal. Peut-être que si je rétrécis et grossis la pomme. Peut-être que si je donne la feuille seulement. Ok, non, si je touche la feuille seulement, ça bouge la pomme au complet quand même. Alors, yo, les fusions ne marchent pas. Je peux pas couper les pommes en deux. Peut-être qu'il y a un couteau hors de l'écran. Attendez. J'essaie de faire bouger l'écran d'une façon ou d'une autre. Non, brothers. On fait tout pour me faire bip. Peut-être que si je donne les pommes à mes personnages préférés, donc je vais donner ça à l'elfe. Ouais, je sais pas, l'elfe aussi. Et en fait, les trois bonhommes en haut sont des elfes, hein. Hein? Je sais pas, man. Je vais jouer avec ça. Comment distribuer trois... What? Ok, trois. Oh! J'ai vu le 6 bouger aussi! Ne me dites pas... Ah. Soit on transforme des humains en pommes, soit on sacrifie des humains pour pouvoir distribuer les pommes. C'est nice. Incliner la balance vers la gauche. Ok, j'ai déjà réglé un problème de ce genre auparavant. Faut juste bouger ce bonhomme. Yo, regardez. Oh, mais attendez. Peut-être que si je prends deux doigts en même temps, j'essaie de bouger les deux bonhommes en même temps, ça... Non, ça marche pas. Alright. Donc, je sais qu'il faut pas utiliser ces items. C'est impossible. Ce serait trop simple. Ah! Non? Non, ça met pas de pression. À moins que je garde mon doigt sur le gorille. Et là, je bouge ça comme ça. Yo, brothers! Ok, vous savez quoi? Juste pour le fun, on va... Yo? Non? What? Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Rétrécir le bonhomme? Grossir le bonhomme? Grossir le bonhomme, rétrécir le bonhomme, grossir la pomme, grossir ici, grossir ça, bouger l'écran, non, shake, nanana, faire des rotations avec l'iPad de Wii Now, non, ok, j'ai quasiment tout essayé, je peux même pas ajouter des objets là, alors, ah ben, attendez, fallait le dire, niveau 214, Wii Now, trouver 6 sourires, ah ben c'est facile. Number 1, number 2, number 3, number... Ça compte? Non? Ça... Yo, regardez. Je crois qu'il faut... Regardez, voyez lui là? Il faut faire bouger son sourire avec mon doigt, donc... Whoop! Non? Ok, je suis en train de dire des conneries, donc... je peux pas bouger l'écran... Je peux pas rétrécir, grossir les objets, malheureusement. Ah, le 6e sourire est là. Attends, c'est moi je fais un sourire. Peut-être qu'il faut pas jouer avec ce bonhomme, honnêtement.
Ah ben attendez, il y a un autre candidat qui est bien plus simple lui là, regardez. Non, je viens de voir un autre candidat. Ah. Je savais qu'il fallait jouer avec le sourire des petits bonhommes, c'était trop évident, mais j'ai complètement foiré mon coup dès le début, c'est incroyable les pépitos. Niveau 215, collectez des pièces. Yo, tu me demandes jouer à Mario, et ben moi je suis content de le faire, voyons donc. Mais on dirait que je suis un archéologue, hein, et pas Mario. Yo, brothers! Oh, ok, non, je peux sauter sur les nuages, évidemment que je suis Mario alors. Oui. Attends, regardez. Peut-être que si je bouge les nuages, hein? Non? Je peux pas bouger les nuages? Ne me dis pas de sauter dans le vide, dans les jeux de Mario, c'est correct et... Hein? Ok, attendez, peut-être qu'il y a des blocs cachés. Non! Aïe. Ok, ici? Non? Ok, Pépito? Peut-être qu'il faut aller vers la gauche, évidemment! Ah! Ok, non, même à ça, il me manque une pièce comme... Yo, brothers! Attends, je peux dupliquer les pièces? Utiliser un hack? Non? Glitch de duplication... Duplication? Ouais? Non? Peut-être que c'est chaud là? Attendez... J'adore recommencer. You are not serious. Ça, c'est la 7e fois que je recommence la partie. Les potes, comme. Il y a un gros problème. Le truc, c'est que j'allais partout. J'allais comme taper tout ce qu'il y a sur mon écran. Comme. Come on, brothers. Comme niveau 215. Collecter les pièces et tout. Mais comme les nuages, j'ai essayé de rétrécir, grossir. J'ai tout fait. Ah, attends. En bas de l'écran. Non? Non, en bas de l'écran, il n'y a rien qui se passe. Alors, j'ai pas encore touché le bonhomme, hein? Non. Ne me dites pas que... Non, ok. Ah! C'était la seule place que je n'ai pas cherché, fouillé, inspecté. Fallait y penser. Trouver 5 étoiles là, que c'est perfecto, amico, donc 1, 2, 5 étoiles. Ah, l'araignée? Non, ok, c'est pas une étoile, ok, d'accord. Mais là, je ne vois pas. Y a-t-il des formes d'étoiles quelque part? Peut-être que si je bouge l'écran, non? Grossir, rétrécir. Oh, j'ai pas envie de me faire piquer, man. Grossir, rétrécir. Si je bougeais le iPad. Non, et si je faisais. Ah, attendez. 5 étoiles. Ici. Non? Ouh! Ça va bien la journée, oui? Alors, j'ai quelque chose à vous dire, les potos. J'étais coincé dans ce niveau pendant au moins 10 minutes. C'est même pas une blague. 10 minutes. Le truc, c'est que il y a 2 étoiles ici, n'est-ce pas? Et là, pour les autres items, j'ai essayé de les bouger, j'ai essayé de les grossir, les rétrécir, j'ai essayé de shaker l'iPad et tout. Et là, j'en pouvais plus. J'ai tapé sur l'ampoule. Conseil, appuyez sur L 5 fois et vous aurez plus d'étoiles. J'en avais tellement marre, j'ai abandonné et voilà ce qui se passe, les potos. Ah là, hein, un peu étourdi. Ne vous en faites pas. Bon, si je suis étourdi. Mais je vous promets qu'à partir de maintenant, je ne vais plus foirer mon cou. Nanana. Ouais, ok. Comment esquiver une attaque? Évidemment que je bouge juste... Oh, ok, attends. Il essaie de venir me chercher en bas de l'écran. Oh, le brodé, il est rapide, oui. Je mets un mur. Attends. J'ai fait ça. Le truc, c'est que j'ai fait ça comme ça et j'ai vu que je pouvais... Juste fais ça et sans faire exprès comme... Oh my god. Oh. Ah, what? You ready? Il faut... Attends, est-ce que je peux... Non, je peux pas bouger. Yo! Ok, attends, j'ai comme trouvé la... Ah. Ben juste... Ceux qui adaptent leur action à l'époque sont sages. Oh oh. Niveau 218, traverser le bout. Ok, est-ce que je peux... Ah, ok. Non. J'ai essayé de faire quelque chose de con là, mais... Oh, je peux pas aller plus à droite que ça. Ok, c'est pour ça que j'avais complètement foiré mon coup, mais yo, c'est facile, brothers. Nanana, vous ne m'aurez pas les potos, pépito. On va traverser le bout, pas problème, amigo. Ok, non, pourquoi je sens que je suis en train de foirer mon coup? Pourquoi je sens qu'il y a quelque chose d'autre à faire? Oui, le tout s'accélère, mais...
Yo, c'est... Nanana. Il y a quelque chose à faire, je sais pas. Je suis sur le point d'abandonner parce que je sens que c'est pas ça la solution. Attendez, traverser le bout. Traverser le bout. Qu'est-ce que tu veux dire par le bout? Le bout. Tout au fond? C'est ça? Au fond, en bas, ça marche pas. À gauche, ça marche pas. En haut! Ah, il faut juste sortir de l'écran, je pense. Comme, regardez. Parfois, je me demande pourquoi j'ai jamais pensé à ces trucs-là auparavant. C'est trop stupide. Trouver le poussin. Oh my god, c'est comme la cinquième fois que je... Non? Yo, regardez. Ouais, comme je vous ai dit, c'est comme la cinquième fois que j'ai résolu ce genre de questions, là. Aider le garçon à gagner. On peut pas avoir de gagnant dans ce jeu, voyons donc. Je comprends pas. Aider le garçon à gagner. Faut que je propulse la fille hors du jouet, c'est ça? Hein? Oh? Connaissez-vous le principe de l'effet de levier? Non. Niveau 221, s'échapper de la pièce. Ok, pour se faire... Hein, quoi? S'échapper de la pièce? Alors, il faut que je m'enfuie de ma chambre, c'est ça? Je ne sais pas, mais bon. Donc, donc, Canarino, on tape ça! Non, on jette un meuble par la fenêtre. D'habitude, ça marche bien dans les films, non? Mais bon, ok, regardez. Zoomer. Évidemment, c'est pas la première fois que je vois ça s'échapper de la pièce. Donc, c'est... Ça me dit pas c'est quoi le code. Le truc c'est que... Comme... 1, 2, 3, 4... Ah oui! C'est bon? Attendez, je vois quelque chose là. Hein? Je vois des chiffres. Regardez ici. Ici c'est un 9. Ici c'est un 3. Un 4. Et un 5. Hein? Attends. Ouais, je vois le 9, le 3, le 4, mais ça, c'est... C'est pas un 2, hein? Un 5? Un 5 à l'envers? 9, 3, 4, 5. Ok, on va essayer ça. 9, 3, 4, 5. Non? Alors... 9, 3, 4, 2, peut-être? Oh my god! J'ai cherché ce code pendant une éternité! Ah ben, et pourtant, ça a l'air qu'on a terminé le jeu parce que c'est écrit d'autres défis à venir, rappelez-nous. Et là, il y a un autre jeu qui s'appelle Find Out. Est-ce que c'est fait par la même compagnie, genre? Oh, ça a l'air intéressant. Peut-être qu'on va jouer à ça plus tard. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà testé Find Out? Parce que si c'est un bon jeu, eh ben, je vais jouer à ça. Ouais, c'est bon. Ok, bon, ben, on dirait que c'est terminé, les potos. Alors, mes chers potos, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois lorsqu'il y aura d'autres niveaux. Alors, pour l'instant, on va en arrêter là parce qu'on n'a vraiment pas le choix. C'est ça. Et puis, on verra ce qu'on va faire dans le futur. Donc, si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Vous procurer l'un de ces t-shirts de fou grâce au site qui se retrouve juste en bas de l'écran. Vous pouvez me suivre sur ces réseaux sociaux aussi. Thank you very much for the support, amigo. Et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!